Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Kalidou Koulibaly au Barça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, nous là qu'on est parti pour parler de l'arrivée de Kalidou Koulibaly au Barça. Donc les gars, auteur d'une très bonne prestation face au FC Barcelone en Ligue Europa, Koulibaly aurait totalement séduit Xavi, à tel point que le coach du Barça serait déterminé à le recruter lors du prochain mercato estival 2022. Très performant sous les couleurs du Napoli, Kalidou Koulibaly aurait pu faire ses valises à plusieurs reprises. En effet, les plus grands clubs européens, dont le PSG, le FC Barcelone, ont été séduits par les prestations du Sénégalais ces dernières saisons et auraient songé à le recruter. Toutefois, Koulibaly est toujours à Naples aujourd'hui. Ces derniers jours, la presse italienne a annoncé que le Barça avait relancé la piste menant au défenseur des Azzurri et le dernier face-à-face entre le FC Barcelone et le Napoli n'aurait fait que conforter Xavi dans son choix de recruter Kalidou Koulibaly. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Xavi et la direction du FC Barcelone auraient totalement succombé au charme de Kalidou Koulibaly ce jeudi. Alors que le Barça accueillait le Napoli un partout, le défenseur sénégalais a rendu une très belle copie, ce qui aurait accentué l'intérêt catalan pour Kalidou Koulibaly en vue de la prochaine fenêtre des transferts. Reste à savoir si Xavi trouvera le moyen de convaincre à la fois la direction de Naples et le joueur lors de l'été 2022. Kalidou Koulibaly au Barça, ça chauffe de plus en plus. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Kalidou Koulibaly au FC Barcelone est vraiment possible? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker, de vous abonner avec la cloche. Ça reste, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous. J'en vous dis à la prochaine et salut.